People today do not know what happened during that time of our lives, and that they should know what went on behind the scenes, in front of the scenes, and during the scenes. And because of people like Dr. Lights that were sent to our rescue, so to speak, that the good Lord meant to save us. Ernest II a sauvé des vies humaines. Les historiens de la Shoah appelleront ce sauvetage le train Leica de la liberté. 86 personnes rescapées du nazisme, promis à une mort certaine parce que nés juifs, ont été sauvées en grand secret par l'héritier de la société qui allait révolutionner la photo en inventant le Leica. Parmi les résistants de la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi des résistantes. La pasteur Christina Venolt éclaire l'histoire du train Leica de la liberté en nous présentant le combat d'Elsie Kühn-Sleitz. Histoire peu connue et que vous nous racontez, la famille Leitz, héritier de la marque Leica à ce moment-là, a un deuxième visage. Ernst Leitz II est le personnage principal de ce documentaire, mais on n'oublie pas Elsie Kühn-Sleitz, sa fille. Comment cette jeune fille, dans ces années-là, s'est retrouvée à devenir une héroïne pareille, une résistante, et puis plus tard, une amie de Albert Schweitzer, Eisenhower? Alors, peut-être juste quelques mots sur elle, d'abord, avant de parler de ça. Je pense qu'elle était très, très intelligente. Elle a fait très vite son abitur, le bac. Elle avait fait plusieurs formations économiques et de droit. Elle a fait un test doctorat en trois sur l'égalité entre hommes et femmes, un peu le droit, comment sont les droits entre mari et épouse. Donc elle était très, très avancée là-dessus, déjà. Mais elle va bien sûr aussi aider et soutenir le travail de son père dans l'entreprise. Et je crois que les Leitz, dans tout ce que j'ai pu lire, il y a deux choses. À la fois, ce sont des protestants et peut-être il y a une question de valeur et de résistance qui vient de ce côté-là, mais ils sont aussi très profondément démocrates avant toute l'heure. Et déjà tout de suite après la Première Guerre mondiale, dans l'entreprise Leitz, on va veiller là-dessus à ce que les ouvriers ne travaillent plus que 8 heures par jour et qu'ils aient accès à une assurance de maladie. Chose qui ne deviendra qu'obligatoire que 12 ans plus tard pour le reste du pays. Donc ils ont fait ça de leur propre gré parce qu'ils tenaient à cette justice à leurs ouvriers. Donc ils étaient vraiment connus comme une entreprise qui veille sur ces personnes-là. Et donc, Elsie va grandir un peu dans cette ambiance et elle va le soutenir, elle va le développer. Plus tard, donc pendant la guerre, comme toute entreprise, aussi l'entreprise Leitz, tu vois, par exemple, embaucher des ouvriers forcés, surtout des femmes venant de l'Est, de l'Ukraine et ailleurs. Et ces personnes-là, qui étaient vraiment kidnappées dans les rues de Kiev et ailleurs, et qui étaient mis dans les entreprises en Allemagne pour travailler, pour fournir du matériel, sont logés dans des camps exprès, dans une sorte de, oui, dans des camps de prisonniers, pour ces ouvriers forcés. Et Ernst et sa fille Elsie vont veiller là-dessus à ce que les conditions ne soient pas trop mauvaises. Et ils ne peuvent pas refuser de les embaucher. Mais ils font le maximum. Elsie va faire le tour régulièrement avec son père pour voir qu'il y a un minimum à manger, qu'il y a accès à quelques petits achats, des divertissements, une radio, toutes ces choses-là. Donc, dans la mesure du possible, là aussi, ils vont essayer de faire ce qu'il y a à eux pour les protéger. Et dans ce contexte-là, on arrive en 1943, et
une amie de la famille leur dit, il y a des convocations en cours pour des personnes juives, et derrière, il y a certainement aussi des envois dans des camps pour juifs dont on commençait à avoir connaissance. Et le père, donc Ernst Leitz, va avoir le réflexe, il pense à une famille qu'il connaît bien, donc une famille de photographes, justement, dont il sait que l'épouse est juive, et il envoie cet ami de la famille avertir la famille. Et quand l'ami arrive sur place, donc l'ami s'appelle Madame Gerke, elle arrive sur place, elle voit cette famille déjà effondrée en larmes parce que justement il venait de recevoir cette convocation pour Madame Palme, elle s'appelle Palme, pour le lendemain ou pour dans quelques jours aller rencontrer la Gestapo, et tout le monde avait une idée, c'est ce que ça voulait dire. Quand elle revient, on a parlé à la famille, elle-ci est présente et elle dit surtout on ne peut pas les laisser tomber, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ensemble, donc père et fille vont décider qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'idée est de envoyer Madame Palme, la femme juive, avec cette amie, Madame Gerke, chez une sœur de Ernst Leitz, donc la tante Elsie, bon, si vous suivez encore, à Munich, et pour éventuellement, à partir de là, les faire sortir même d'Allemagne, mais d'aller vers la Suisse. Donc Elsie Kuhn-Leitz va accompagner tout ça, va aider, payer les billets, organiser tout ça, le suivre de près, aussi trouver peut-être un endroit par lequel on peut traverser la frontière, tout ça. Et malheureusement, dans toute cette histoire, puisqu'il n'y a plus de train, une fois qu'ils sont à Munich, ils veulent aller vers la frontière 6, etc. À un moment donné, pour s'approcher de la frontière, ils trouvent un laitier qui passe par là. Ils lui donnent de l'argent pour pouvoir voyager avec lui. Et ce bon laitier n'a rien d'autre à faire. Il prend l'argent, il prend une bonne paire de jumelles fabriquées Leitz, et en plus il va les trahir auprès de la Gestapo qui va les mettre en prison. Donc cette amie Madame Gerke et cette âme juive Madame Palme, et malheureusement Madame Palme va faire tout un parcours dans le camp de concentration de Ravensbrück, et de là va être encore envoyée dans un autre camp et elle ne suffira pas. Donc la Gestapo va enquêter et va se demander est-ce qu'il n'y a pas une filière, comment est-ce que les deux dames ont eu l'aide pour aller vers la frontière. Et ça remonte jusqu'à la famille Leitz, et ils convoquent les deux, père et fille. Alors les deux sont convoqués à la Gestapo, ils sont entendus l'un après l'autre, et pendant le temps qu'elle attend que ce soit son tour, elle-ci décide. En fait, elle se rend compte, elle se dit, si je peux faire en sorte à ce que mon père puisse sortir d'ici et continuer à faire vivre l'entreprise et s'occuper des ouvriers, etc., oui, il faut au moins qu'il y ait une de nos deux va sortir d'ici, et le mieux que ce soit mon père, parce que un, il n'aura peut-être pas la force de survivre à tout ce qui est devant nous, et deux, c'est lui qui a le savoir-faire. Donc elle prend tout sur elle à ce moment-là. Elle va dire c'est tout moi, mon père n'était pas présent, c'est moi qui a organisé tout ce projet de faire passer Madame Palme à travers la frontière. Elle restera 3 mois en prison, et plus tard elle va décrire un peu ce qu'elle a vécu, et c'est la période des bombardements. Donc il faut s'imaginer, on est en prison, tous ces prisonniers-là, bien sûr, ils n'avaient pas le droit d'aller dans les bunkers. Donc ils sont comme dans des cages. C'est un piège. Ils sont piégés là-dedans. Et donc elle décrit le bruit des bombes qui tombent. Elle voit par sa fenêtre le feu des maisons qui brûlent autour, qui s'approchent de plus en plus de chez eux. Les cris des autres prisonniers autour, tous paniqués parce qu'ils ne peuvent pas sortir de leur cellule.
Bien sûr que les fenêtres vont éclater, briser. Donc la fumée qui rentre, il n'y a presque plus d'air pour respirer. Donc tout ça est complètement traumatisant et dit qu'encore des années plus tard, il faisait des cauchemars de cette époque-là. Et que même par moment, elle est emprisonnée en septembre. Et en novembre, elle a eu une phase où elle ne pouvait plus. Elle avait vraiment des idées de suicide et qui dit, la prochaine fois qu'on va me chercher pour un entretien avec la police, etc., si jamais il y a une fenêtre ouverte, je vais sauter parce que j'en peux plus. Mais bon, au bout de 3 mois, elle peut sortir de là. Et en fait, ce n'est pas un miracle, c'est parce que son père a payé des milliers de Deutschmark là où il pouvait pour la faire sortir de la prison. Et d'ailleurs, on est très étonné pourquoi le père n'était pas finalement gardé aussi lui en prison. Pourquoi est-ce qu'il a pu travailler jusqu'à la fin de la guerre? Certainement parce que quelque part, on avait besoin de ses appareils, de son savoir-faire. Mais il a échappé certainement aussi de justesse. Ses familles sauvées sont parties à Paris, New York, en Finlande, à Hong Kong, etc. Et Elsie va continuer sa carrière après-guerre pour clore ce petit portrait. Elle ne s'arrête pas là, justement, malgré ses traumatismes. Donc, elle va entrer en politique, elle va fonder en Hesse, donc le land où se situe Wetzlar, c'est en Hesse. Vu d'ici, peut-être la ville la plus proche, c'est Francfort, pour se donner une idée. Elle va fonder la CDU, donc les Christ-Démocrates, l'Union des démocrates chrétiens, qui existe encore aujourd'hui, hein, une grande partie en Allemagne, avec cette idée que la foi et la politique, la démocratie, ça va ensemble. Et elle va créer une amitié franco-allemande en vue de l'Europe. Elle veut soutenir le travail de l'Europe. Et il existe encore aujourd'hui cette fondation et un prix en son nom qui est confié, pas tous les ans, mais de temps en temps, à des personnages qui, eux, œuvrent aussi pour l'Europe. Donc, par exemple, Jacques Delors a eu ce prix, le prix de Elsie Kühnleit, ou alors Valérie Giscard d'Estaing, ou Helmut Kohl, ou d'autres personnes qui, dans la vie politique, ont fait quelque chose pour faire vivre l'Europe. Quelle est la leçon que vous retirez du sauvetage de toutes ces familles juives par Ernest II et sa fille Elsie Kühnleit? Moi, je suis impressionnée que eux, donc père et fille, justement, ne se sont pas laissés impressionner. Il y avait quand même une telle pression autour de... pour ne pas être découvert, pour ne pas... il fallait s'afficher quand même en accord avec le régime. Et finalement, eux, ils ont résisté à ça. Et je trouve qu'ils ont essayé de trouver le juste milieu, mais ils ont pris aussi, dans tout ça, encore beaucoup de risques. Oui, le père a fini par être membre de la partie, mais il fallait, s'il voulait continuer à garder l'entreprise et à mener cette entreprise à sa façon, il le fallait. Et donc, tout en prenant... tout en étant membre de la partie, il a fait en sorte de ne pas se laisser influencer par les directives qui venaient du haut. Et finalement, je trouve si je reviens à cette histoire de sauvetage qui malheureusement n'a pas réussi de Madame Palm, finalement, ils sont tout simplement laissés toucher par cette histoire.
Ils ont dit, on ne peut pas... elle est citée à un moment donné, Elsie Kuhnleit, comme quoi elle aurait dit autour de la table, quand ils ont appris de la situation, on ne peut pas les laisser dans cette situation, on ne peut pas les laisser seuls. Se laisser toucher par quelque chose et puis agir en sorte. Et le cœur et la raison, ensemble, nous guident pour trouver des bonnes solutions. Je pense que là, il y a une leçon à prendre, comme avec beaucoup d'autres personnes, mais aussi pour elle. Merci pour cette présentation, Christina Wenold, de Ernst Leitz et sa fille, Elsie Kuhnleit. Merci encore. Avec plaisir.